Ce fragment d'une hérétique constantinois de Ayn Rand abrita l'homme de la préhistoire, Homo sapiens, l'homme sage. Cet artiste y a rendu le mur de ce sanctuaire en une galerie d'art. Il dessina son quotidien, ses moments de gloire, sa crainte, son succès, ses influences. Tantôt, de l'abstrait qui nous révèle son caractère de philosophe et de méditateur. Cet artiste est aussi un archiviste, historien par excellence. De l'hématite pour l'encre et le piquetage pour le motif incisé au rupestre. Et il classa le dossier pour l'humanité. Aussi un orang qui vénère des êtres assimilés à la divinité. Ce grand génie urbaniste se sédentarise au milieu de ces luxueuses grottes. En pleine végétation et des sources d'eau, qui favorisent une vie stable et équilibrée, avec un grand confort. Ce penseur n'a guère laissé la rédaction de son histoire absorbante au hasard, ni à l'occultation. Dès lors, il aménagea toutes bonnes conditions à la préservation. Non seulement les matériaux écologiques utilisés à l'illustration, mais aussi les murs des grottes qui incubent les admirables pétroglyphes, qui demeurèrent une référence de témoignage pour l'éternité. Merci à vous, monsieur Homo sapiens.